Bonjour, je m'appelle Philippe Puiset, j'ai 46 ans. Je suis arrivé au Danemark maintenant il y a 9 ans pour des raisons familiales, comme beaucoup d'entre nous. Et je suis l'heureux beau papa de 3 grands-enfants. J'ai commencé au Danemark en tant que serveur. Ça a été un petit peu difficile de trouver du travail. Ensuite, par la chance, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé à travailler auprès d'enfants franco-danois pour enseigner le français. Et puis comme je suis instituteur de formation, eh bien, j'ai fini par pouvoir travailler au lycée français du Prince Henri, où j'enseigne à des enfants de 5 ans. Je leur apprends à parler français avant d'intégrer les classes de CP. En décembre 2012, on m'a demandé de reprendre la section française d'ADFE, Association démocratique des Français d'étranger. J'ai accepté cette mission parce que pour moi, ce qui est important, c'est de faire de la solidarité, de l'entraide. Et pour ce faire, en novembre 2013, nous avons fait un premier marché de Noël qui nous a permis de récolter un petit peu d'argent et ce qui va nous permettre maintenant, dans l'avenir, de pouvoir aider des personnes en grande difficulté. Nous avons aussi demandé à la députée de la circonscription, Axelle Lemaire, de nous aider et elle nous a alloué 1 000 euros pour justement pouvoir faire des actions d'aide et de solidarité envers nos compatriotes. J'ai décidé de rejoindre la liste Le Cœur à Gauche car je souhaite que les futurs conseillers consulaires puissent rendre des comptes régulièrement aux électeurs. Je souhaite, contrairement à ce qui a été fait jusqu'à présent, à ce qu'il y ait des permanences régulières durant lesquelles chaque électeur pourra faire entendre sa voix. J'ai décidé de rejoindre la liste Le Cœur à Gauche parce qu'elle est la seule liste qui a fait appel à des candidats qui ne soient pas tous issus de la région de Copenhague. Et il me semble que pour pouvoir promouvoir et défendre les Français du Danemark, il faut faire appel à des candidats qui ne soient pas seulement issus de Copenhague. Si comme moi, vous partagez ces valeurs d'entraide et de solidarité, alors vous pourrez le faire en votant le 25 mai 2014 pour la liste Le Cœur à Gauche. À bientôt.